Alors par contre, le truc c'est que moi il faut que je trouve. Faut que je trouve frère Cardosa. Attendez, faut que je tue tout le monde? Oui, mais ça va à l'encontre de notre objectif. Frère Cardosa, on le verra arriver normalement. On aura son nom. Au moins. J'espère. Charme d'os. Pas où il est. Je ne le vois pas. Mais tant pis. Tout va bien. J'aimerais rencontrer ce monstrueux assassin, mais être bien prudent. C'était une grosse miche de pain, hein. Celui-ci avec l'histoire, celui-là avec la botanique. C'est quoi ça? Histoire et outils de torture. Oh, ça pourrait être utile. Je le lirai plus tard. Tout va bien. Bestiaire de Pandicia. L'histoire secrète de la peste. Tout ce bordel. Manifestement, c'est pas lui. Ah oui, c'est vrai, les sorcières, elles étaient momifiées. C'est pas glauque, l'univers de Dishonored, hein, c'est bien. C'est jamais glauque.
Tout va bien. Tout va bien. Bon, y a rien d'autre ici. Ils disent qu'il y a un charme d'os. Il est là? Ah, il est en haut. D'accord. Vu. Je connais cet endroit. Je connais bien. Par contre, elles, je crois qu'elles ont des pouvoirs. Nous étudierons leur sinistre appareil dès que nos sœurs déchues auront trouvé le repos. Je ne tolérerai pas la présence des impies. On a de l'autre côté aussi. Où ça a l'air d'aller? Ça a l'air d'aller. Bon. Faudra prévenir le Cap Blanc quand nous aurons terminé notre mission. Est instructif et pur, et vous pourrez reconnaître les moments profanes de l'Outsider. Ok. Ah merde, ça les tue? Embêtant. Du 15e jour du mois de la pluie. Notre enquête nous a menés jusqu'à ces appareils inconvenants. J'ai veillé les morts et certains soirs j'ai entendu des voix. Leurs voix. Elles parlent comme nous dans nos transes. Mes sœurs ne me croient pas. Et certaines m'ont même accusé de mentir. Je sais que c'est de la magie noire. Un reste de l'hérésie des sorcières, mais je dis la vérité. J'ai apporté cette machine pour enregistrer leurs paroles. On devrait les entendre d'un instant à l'autre. Pour
Pourquoi suis-je la seule à entendre nos morts parler? Quelle est donc cette sorcellerie? Il murmure lentement, une voix sans souffle. Je vous jure à toutes que je les entends. C'est peut-être pour ça qu'ils ont dit que c'était une sorcière. Toujours aucune nouvelle de nos sœurs. D'accord. Je crois qu'on était passé par en haut à la base. Ouais, est-ce que... Haha. Easy. Dû brûler avec le reste de la vermine. Pourquoi est-elle ici? Elle est tombée il y a 3 jours. Je dois envoyer un message au superviseur pour qu'il vienne nettoyer. D'accord. Ok, l'ascenseur est en panne, va falloir passer. Ah bah non, mais oui, d'accord. Elle est tombée il y a 3 jours. Oui, elle est tombée dans l'ascenseur. En effet. C'est fait. Mon esprit est clair. J'ai inspiré les fumées, mais aucune vision. Et ça, tu la vois? T'as peut-être trop inspiré les fumées, justement. Allonge-toi là. Alors.
Ils sont beaucoup, hein. De tels mensonges, car leurs échos nous reviennent avec la voix de l'outsider. C'est ignoble. L'hérésie s'est insinuée partout ici. Le grand superviseur va vouloir un inventaire détaillé de toutes ces horreurs. Ils se dresseront au milieu des... J'ai toujours pas trouvé Jean-Michel, hein. Alvaro ou je sais pas quoi, là. Tel un essaim féroce, dévorant tout sur son passage, même les pires souillures. Des gouttes de belladone, des sorts pour éloigner les yeux errants. C'est quand même efficace, hein. Tout va bien. Effectivement, on aurait pu faire ça. On aurait pu. Très bien. De la morgue. Ah merde. Comment je sors maintenant? Ah mais je sors de la même manière que je suis entré et... Ah, malin. Eh oui. Par contre maintenant faut descendre. Mais non, mais le bureau de la conservatrice. En bas, peut-être. Non, en bas, j'en viens. Est-ce que j'ai la carte? Alors, le bureau, il est au 1... Et le premier étage? Ah non, il est au troisième. Il est au troisième étage. On est à quel étage ici?
Oui, nous dire à quelle est ta journée quand même. Vous êtes ici. On est au deuxième. D'accord. Là, c'est le troisième étage. Assez loin, parce que je crois qu'il y a des feux meufs pas très loin. Sont deux. Ça va. Je pensais que je passerais en dessous. Honnêtement. Un truc qui bug, elle a un morceau du vide, je sais pas quoi. On peut se faire passer pour une sœur. Frères et sœurs, si l'outsider vous rend visite, souvenez-vous de trois choses. Ignorez ses paroles. Ne le regardez pas et n'acceptez pas ces cadeaux. Ok, bon. Vous demande sur la terrasse. C'est à propos de l'archive hérétique. Elle veut que vous la preniez. Oui, oui, très bien. Dites à Sœur Roswin que j'arrive. Je dois d'abord finir ce petit test avant que la chair de cette créature ne se dégrade. La courbure s'amoindrit dans le lobe frontal. Comme le disent les canons, l'esprit errant se fractionne et se divise. Fascinant. La musique sacrée semble avoir rongé le réseau. Alors toi, bouge pas. Je parie qu'ils adoreraient m'ouvrir en deux comme ça aussi. Je vais le mettre sur la chaise. Et je reviens. Je m'en souviens, à Dunwall. C'était comme des lames de rasoir qui vous lacéraient la chair. Ouais, non, faut que je tue tout le monde.
Ah, la fin de la mission. Bon, on va voir. De toute façon, j'ai tout. C'est la dernière, on va voir. Je retourne là-bas. Bon, alors, il est où ce... ce charme d'os? Déjà, il y a des trucs ici. Maintenant, on va fouiller son bureau quand même. Ah oui, il y avait tellement des sorcières partout ici. Rappelez-vous, c'est comme ça qu'on, c'est ici qu'on a appris comment vaincre Delilah. Et lui, carrément, il ouvre les sorcières pour voir comment elles sont à l'intérieur. Oh, taré! Mais gros taré quoi hein. J'ai inspiré les fumées, mais aucune vision. Je fais une petite sauvegarde rapide. Peut lui parler maintenant? Peut lui parler? Il n'y a personne à proximité, heureusement. Il y a quelqu'un là. Bon, il n'y a personne. On va dire qu'il n'y a personne. Hein.
Bon, on se casse. On va l'examiner. Ouais. Je peux la regarder avec un projecteur d'argentographie. Si l'ordre oraculaire peut vraiment voir l'avenir, alors cette argentographie me dira tout ce dont j'ai besoin. Exactement. Ça va les petits rats. Ah, la folie dans la bouche. Oui, eux on les a stun. Juste ce qu'il faut. On leur a stun leur race. C'est pas pour ça qu'on va pas les dépouiller. Il ne devrait rien y avoir de ce côté de la montagne. La carrière nord de Shindere. C'est là où les aveuglés entrent dans le grand vide. Je ferais bien de garder cette argentographie. Très bien. Non, il y a personne. Putain, mais en fait, si, il y a quelqu'un. Il y a Jean-Michel Bigot. Des mecs bien, hein, les superviseurs, en vrai. Hein. Le top du top. D'accord. J'étais pas passé par là, mais ok. Alvaro et l'abbaye. Ouais, faudrait que je tue tout le monde. J'ai pas envie de tuer tout le monde, honnêtement. Ah, j'ai même réussi à voler le truc sans me faire repérer. J'ai des sorcières. Zut, ouais. As-tu déjà... Hey, vous, venez ici. Évidemment. Ça s'était tellement trop bien passé. Ah. Je vais aller chercher. Il y a des gens ici. D'accord. Attends, c'est en français ? Non. J'ai cru. Comment on rentre dans notre planque ?
ici. C'est interdit de passer ici. Alors pardon, hein, mais... Je l'ai perdu. Je sais que vous êtes dans les parages. Elle n'a pas pu aller bien loin. Mais où est-ce que... Ah mais je suis con moi. Encore. Cette fois, je vous aurai. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'irez nulle part. Pour l'abbaye. Attendez. Ne pas. Je suis toujours prêt à me dresser contre les infidèles partout. Où est-ce que vous vous cachez, les lâches? Ça s'est pas très bien passé. Total de victimes, une. Voilà, non létal. Furtif non létal. Enfin, surtout non létal, parce que furtif, en fait, pour que ce soit furtif, faudrait que je sois dans le coin, en haut à droite. Alarme déclenchée 0, corps détecté 11, détection 13. C'est pas mal quand même. Charme dose 10 sur 12. Ah oui, 10 quand même. Ah, il aurait fallu que je tue tout le monde. Ah oui, mais je voulais pas tuer tout le monde. Pour une fois, je voulais que ça se passe bien. Pas le temps de marchander, vous avez dévalisé le marché noir à proximité du conservatoire royal. Liberté de l'information, vous avez volé le carnet de Sir Rosawin dans le conservatoire royal, oui. Vous avez mis la main sur la relique du coffre bien gardée. Oui. Et bah c'est très très bien, écoutez les gens, on va se quitter là. Je vous fais des bisous. Et des bisous, et à la prochaine session, eh bien, on verra bien ce qu'on fait. Voilà, à plus !